Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ludofit 80. Bienvenue aux nouveaux qui viennent d'arriver. Pour les nouveaux qui viennent de s'abonner, bienvenue à la chaîne et au contenu qui sera mis tous les mercredis à 14h ou 16h, ça dépendra des semaines. En ce moment, on est tous en confinement. Faites attention à vous et à votre famille. Surtout en ce moment, en période de crise sanitaire, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ludovic. J'ai une sale tête, c'est normal, c'est le corona, c'est le confinement, on est enfermé, il n'y a plus de coiffeur, donc on est obligé de faire avec. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ludovic, comme je l'ai dit. Je suis coach sportif, je fais une vidéo tous les mercredis, comme j'ai dit précédemment justement, pour ceux qui ont vu la vidéo. Et cette vidéo-là, enfin sur toutes les vidéos que je fais, ça sera sur le fitness, la nutrition, la cuisine et bien sûr le lifestyle. Et là, aujourd'hui, on va faire un cours dédié au fitness, justement, avec un petit circuit rapide. C'est la crise sanitaire, c'est le coronavirus. Malheureusement, on est tous confinés, on n'a pas de matériel, on n'a pas de moyens de pouvoir s'entraîner. On veut perdre du poids, on veut maintenir un minimum la forme, on ne sait pas comment faire. Soit vous prenez un coach, et il va falloir le payer, vous pouvez toujours faire du coaching à distance, ça existe. Si vous ne pouvez pas coacher, prendre un coaching ou vous faire coacher pour des raisons personnelles, financières ou autres, je vais vous donner un circuit rapide, simple à faire en moins de 30 minutes. À peu près 30 minutes pour ceux qui n'arrivent pas vraiment voilà, à suivre le programme entièrement. Moi je l'ai fait et j'ai mis à peu près 24-25 minutes à peu près. Donc au grand maximum, vous pouvez aller le finir en 30 minutes, 40-50 minutes. Pour ceux qui ont voilà qui ont un niveau un peu plus débutant ou autre. N'oubliez pas, c'est un circuit perte de poids, homme ou femme. Vous voulez adapter en fonction de votre niveau. Vous pouvez prendre des options de facilité ou pas. Alors, il n'y a pas les options dans le circuit. Pour ceux qui veulent plus, vous me le direz et je vous ferai une vidéo prochainement un peu plus détaillée avec les différents types d'options faciles, moyens, intermédiaires, confirmés. Vous me direz tout ça en barre de commentaires et je vous ferai une deuxième vidéo suite de celle qu'il a actuellement. Donc, on va faire un premier circuit. On s'échauffe tranquillement 5 à 10 minutes. Si vous n'avez pas de rameur ou autre, vous faites l'échauffement. Vous marchez, vous courez, les montées de genoux, talons de fesses par exemple. Vous pouvez faire des pas chassés sur le côté. Vous pouvez faire plein de choses. Vous augmentez votre rythme cardiaque. Vous commencez à faire votre circuit qui sera mis juste après, qui va s'afficher là dans quelques instants. A few moments later. Vous allez voir un exercice qu'on appelle le squat. L'avantage du squat, c'est un mouvement polyarticulaire qui travaille plusieurs chaînes musculaires. Très bon pour la perte de poids, pour les mouvements fonctionnels et autres. Je vous simplifie pour que ce soit plus simple pour vous. Première chose à faire, on va écarter les jambes largeur des épaules, la poitrine haute. On va commencer à descendre les fesses en arrière et on va descendre le corps jusqu'au niveau des genoux. On va pas oublier de bien gainer au niveau des abdos et on remonte en soufflant. On inspire en descendant, on souffle en montant. Le regard reste bien sûr droit devant, on fixe un objectif droit devant avec l'alignement de la colonne vertébrale justement pour pouvoir limiter les impacts au niveau des amas sacro-lombaires.
le gainage. C'est très simple. On va mettre les coudes au sol à 90 degrés. Les épaules vont arriver au niveau du creux, justement. Et on va maintenir le dos gainé, droit, le plus droit possible, bien sûr, en fonction de votre situation. Si vous avez un problème de dos ou autre, on fait attention, on essaie de maintenir l'alignement de la colonne vertébrale. On va bien gainer au niveau des abdos, on va contrôler sa respiration de façon constante et régulière. On va faire attention au niveau du cou, de ne pas s'amuser à jouer un tournicot, hein, c'est pas le but de se péter un torticolis ou autre. Vous faites attention, la tête, vous la regardez soit au niveau du sol, ou vous essayez de regarder un tout petit peu devant, mais vous ne tordez pas votre cou en haut ou en bas, ou enfin sur le côté, hein. Vous n'êtes pas là pour jouer à la marionnette. On fait hyper attention.
Donc, comme vous avez pu le voir, vous avez dû le faire ou au moins le tester. Si vous l'avez testé correctement, vous avez dû voir que c'est très difficile et c'est normal. La perte de poids, ce sont la meilleure façon de perdre du poids, comme vous pouvez le voir, ce sont principalement de la nutrition, donc un rééquilibrage alimentaire et non des régimes stupides comme on voit dans les publicités hein, comme J'aime et compagnie que je ne citerai pas et qui vous feront pas perdre du poids. La meilleure façon c'est de perdre du poids de façon régulière, toutes les semaines et de façon équilibrée, vous faire plaisir, ne pas être en restriction car c'est la pire chose à faire, vous allez mettre en danger votre corps et votre santé. Vous pouvez après derrière faire un petit circuit comme ça 3 à 4 fois par semaine pour vous permettre de stimuler votre corps et votre métabolisme à l'effort pour pouvoir aussi brûler des calories et des graisses. Enfin les graisses, je vous schématise. Et derrière, vous mangez, vous faites plaisir de temps en temps et vous n'arrêtez pas. Vous gardez un mindset, une motivation. Et dans la prochaine vidéo, pour ceux que ça intéresse, je ferai une vidéo sur le mindset en musculation. Comment garder la motivation malgré l'enfermement, malgré la crise, malgré les problèmes qu'on a actuellement. Je ferai une vidéo dédiée sur ça. Si ça vous dit, laissez-moi un commentaire en bas de la description et je vous dirai quand je la ferai. Et je pense que je vais la poster pendant la crise pour vous donner envie de faire de l'entraînement. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo et partager la vidéo et de vous abonner pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Vous étiez sur la chaîne LudoFit80. Je vous dis à une prochaine.